Bonjour, je m'appelle Geneviève Bois. Cette année, je fais un stage en santé internationale à Copenhague, au Danemark. J'ai choisi de venir à Copenhague, d'abord pour l'expérience que je peux avoir à l'École de santé mondiale ici, puis aussi parce que le Danemark, c'était vraiment un pays intéressant à découvrir, puis qu'il se passe beaucoup de choses ici en matière de santé internationale. Logique finance presque la totalité du billet d'avion, et puis ben ça réduit beaucoup les dépenses, c'est sûr. Généralement, le matin, je vais venir au travail en vélo, je vais pas mal partout en vélo. Le vélo à Copenhague, c'est vraiment une culture puis une façon de vivre. C'est très difficile de ne pas avoir de vélo. Donc, c'est sûr que ça a été un gros changement, puis j'aime beaucoup ça. Ça me fait passer plein de temps dehors, et puis j'arrive super réveillée le matin au bureau. Je vais passer ma journée soit à faire des lectures ou alors à écrire des documents. Donc, souvent, avoir des réunions d'équipe, puis c'est sûr que c'est un bel endroit où travailler, parce que j'ai une vue sur les lacs de Copenhague, puis c'est vraiment magnifique. Et puis, souvent, je fais du yoga aussi, soit le matin ou en après-midi, puis je prends des cours de danois. Je pense que mon adaptation s'est bien passée. J'ai été chanceuse de connaître des gens, d'avoir une équipe autour de moi pour m'aider à m'adapter. C'est sûr que le Danemark, c'est très différent. Donc, même après plusieurs mois, je parle pas beaucoup danois, puis il reste des choses à découvrir. Je pense que ça vaut vraiment la peine, quand on est étudiant ou jeune professionnel, de faire un stage à l'étranger. On apprend beaucoup, ça diversifie beaucoup nos expériences. Puis c'est une expérience vraiment humaine et puis professionnelle. Puis ça nous aide beaucoup quand on revient aussi sur le marché du travail. Et puis je suis confiante qu'avec cette expérience, ça va être beaucoup plus facile. J'encouragerais vraiment les jeunes à faire un stage international. C'est une super expérience, puis à demander l'aide de Logique. On est chanceux d'avoir une ressource comme ça, donc ça aide pour faire un stage. C'est vraiment une belle expérience, ça fait que ça vaut la peine. Allez-y.